À la puissance instantanée, les 400 chevaux, les 387 chevaux exactement, qui arrivent d'un seul coup, c'est juste phénoménal. Le freinage est excellent, on a une gueule de frein très ferme, une bonne tenue de route, et puis à la sortie du virage, ça nous catapulte dans le siège. Allez, la grande ligne droite, 170 km/h, 180, 185, 195, 200 km/h. C'est juste incroyable de prendre 200 km/h dans une voiture électrique en si peu de temps. Oh là là, c'est joueur, hein. Ah, c'est tellement joueur. Là, ça fait, il faut vraiment doser l'accélérateur à la sortie du virage. Il faut vraiment faire très très attention. C'est une véritable voiture de course. On arrive à burner à la sortie du virage, c'est absolument incroyable. Quand je dis burner, ça veut dire qu'on a du patinage. On entend uniquement le bruit des pneus et le bruit de l'air sur la carrosserie. Et aussi ce moteur électrique, écoutez-moi ça. Regardez comment il prend des tours, ce moteur électrique, jusqu'à 10 000 tours. Allez, à fond absolu dans la chicane. Ouh, oh, ça passe fort. Qu'est-ce que ça passe fort. La voiture est très joueuse dans les virages. Il y a un peu de bagarre avec le volant. Donc on est vraiment dans une auto de compétition. Freinage à 100 mètres. J'écrase la pédale de frein. Léger blocage des roues avant. La voiture plonge dans ce gauche aveugle. Petit survirage à la sortie. Ah, il y a du rythme. Je ne vous dis pas le rythme qu'il y a. C'est même pas évident de vous parler. Ça bouge dans tous les sens. Très facile à contrôler. Allez, plus de... 190 km/h, voilà une droite d'est en train de faire incroyable. Ah, quand je vous disais que c'était joueur, hein, je vous mentais pas. Hein. En tout cas, c'est énormément de plaisir de conduire. Parce que la voiture est très saine. Du coup, on peut vraiment s'amuser avec. Type compétition, un châssis très ferme, très rigide, avec un train avant ultra incisif et un arrière qui bouge quasiment pas. Ils sont à l'accélération comme ici, voilà. Faut faire attention.